Bonjour, c'est le printemps, bienvenue à Permaforêt. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les insectes phylophages qui mangent les feuilles. Et au printemps, donc, on en voit beaucoup en forêt. Et donc, on va plonger un petit peu dans leur univers et essayer de comprendre leur rôle. Ils sont vite catégorisés comme parasites ou destructeurs. Et je vous invite aujourd'hui à plonger dans leur univers pour envisager les choses un petit peu autrement. Et le bruit que vous entendez, en espérant que vous puissiez l'entendre sur le caméscope, ce ne sont pas des gouttes de pluie. Donc on les entend tomber partout, depuis la cime des arbres jusqu'au sol. Et en fait, ce qu'on entend, vous allez être surpris, ce sont des crottes de chenilles qu'on retrouve donc plus bas sur les plantes et sur le sol. C'est ce phénomène-là qu'on va aller voir aujourd'hui. Et donc ce phénomène, il est produit par des chenilles. Et c'est ces chenilles qu'on voit souvent tomber dans les airs. En fait, qui s'accrochent donc aux feuilles des arbres, qui tissent un fil et qui restent suspendus dans les airs. Mais vous avez des chenilles pour chaque arbre en fait. Il y a des chenilles pour le frêne, pour le charme, pour voilà, tous les arbres ont en fait des chenilles hautes. Donc, qu'est-ce que peuvent bien m'apporter la présence de ces chenilles qui mangent énormément de feuilles au printemps? Donc, la première remarque qu'on peut faire, c'est que déjà, elles n'arrivent pas à n'importe quel moment dans le printemps. On est déjà au mois de mai. Et en fait, tous les arbres sur lesquels elles commencent à manger les feuilles sont des arbres qui sont déjà arrivés avec donc une ouverture de leurs feuilles suffisamment développée pour que la chlorophylle puisse commencer à agir et puis pour que l'arbre puisse déjà s'alimenter avec la photosynthèse. Donc il ne puisse déjà plus dans ses réserves, il a déjà commencé la photosynthèse. Donc, comme on peut le voir ici, en fait tous les arbres sont déjà avec une large couverture de feuilles. Donc la feuillaison elle est déjà bien établie. Elle n'est pas optimale, puisqu'en fait ce sera surtout à partir de cet été que la chlorophylle sera la plus forte, mais la couverture des feuilles est déjà très importante. Et c'est peut-être là l'une des clés, c'est que justement la canopée est en train de se mettre en place en fonction des étages, et donc la couverture de la canopée pour les plantes inférieures, si toutes les plantes se développent à leur optimale de feuillaison, vous allez très vite avoir de l'ombre. Et donc toutes les autres plantes à l'étage inférieur vont plus du tout avoir d'accès à la lumière. Donc un des premiers phénomènes, c'est que ça va créer cet ajourement à l'intérieur des feuilles. Et aussi, quand toutes les feuilles seront mangées, à l'intérieur de la canopée elle-même. Donc on va aller directement en sous-bois. Comme ça, on va pouvoir se rendre compte. Donc, comme on peut le constater, les buissons et les arbres qui sont dans les étages inférieurs en forêt sont quasiment pas mangés. Ce sont surtout les arbres ligneux qui arrivent à atteindre certaines hauteurs qui commencent
en fait à être mangés par les chenilles. Et chaque espèce d'arbre accueille une espèce de chenille différente. Donc vous voyez qu'on est début mai et que l'accès à la lumière commence déjà à être difficile. Et en fait, les chenilles vont permettre d'aérer la canopée pour que la lumière continue de pénétrer pour les espèces qui sont au niveau du sol et plus bas. Donc la plupart des plantes qui se trouvent en sous-bois sont quand même tolérantes à l'ombre. Donc il y a très peu de luxe au niveau du sous-bois. Et vous voyez que toutes les plantes printanières couvre-sol qui se développent donc à la sortie de l'hiver, quand justement les feuillus sont encore en dormance, commencent à jaunir. Donc là, toutes les anémones commencent à jaunir parce qu'elles n'ont plus accès à la lumière, puis tout simplement ça, elles ont déjà joué leur rôle. Donc elles sont en graines là actuellement. Et comme vous pouvez le voir sur toutes les feuilles, c'est pas de la maladie, vous voyez, ce sont des multitudes de crottes de chenilles. Et j'espère que vous pouvez entendre le bruit que ça fait au niveau du sol. Il pleut, ça fait vraiment comme une petite pluie. Donc toutes ces crottes sont en train en fait de se répartir partout en sous-bois. Et donc elles vont participer en fait à enrichir le sous-bois au printemps. Donc toutes ces chenilles ont donc deux fonctions. Elles participent en fait à réouvrir la canopée et à clairsemer le feuillage pour qu'il y ait plus de lumière qui puisse continuer à pénétrer jusqu'en sous-bois. Et la deuxième fonction, c'est que toutes ces crottes qui vont se répandre sur l'ensemble du sous-bois, comme ça, sous forme de petites pluies, vont donner des nutriments et de la matière organique prédigérée, minéralisée, pour la litière et les organismes du sol. Donc en fait, on pense souvent dans la litière à la fonction en fait, des micro-organismes, des gastéropodes, des acariens, des lombriques, etc., pour nourrir le sol. Mais on oublie qu'il y a une multitude d'espèces aériennes qui jouent le même rôle. Et justement, donc les chenilles qui vont sur les feuilles des arbres, puisque en fait ce sont l'éclosion des œufs de papillons, hein. Donc les papillons sont des insectes volants qui peuvent donc monter très haut dans la canopée, pondre leurs œufs sous les feuilles, ils éclosent, et à partir de là, bah, les chenilles grignotent en fait ces feuilles-là. Et comme je vous disais, chaque arbre a sa chenille. Ils ont vraiment coévolué ensemble. Et vous ne voyez jamais un arbre complètement mangé en entier. Hein. Ça n'arrive que dans un milieu ultra compétitif où il n'y a rien. Mais si vous voyez dans un milieu normal, naturel, l'arbre en fait se retrouve juste clairsemé. Et il faut savoir que pour la photosynthèse, la plupart des arbres ont besoin de 10% minimum de feuillage et de photosynthèse pour pouvoir subvenir à leurs besoins de croissance et de maintien en fait de leur système ligneux, etc. Et pour pouvoir alimenter les racines. Et en fait, tout ce qui est en plus va servir à créer des réserves, notamment dans les espèces de feuillus, qui sont nos espèces de pays tempérés, puisqu'elles ont besoin de réserves pour passer l'hiver. Donc tout le surplus d'énergie qui est emmagasiné pendant en fait, la période de photosynthèse optimale sert à fabriquer des réserves d'hiver. Et les arbres donc, produisent toujours plus de matière organique que ce dont ils ont besoin, puisqu'en fait, ils sont toujours dépendants d'autres hôtes. En fait, ils ont coévolué avec énormément d'organismes mutualistes. Donc en fait, toute cette surproduction, entre guillemets, est toujours à destination d'organismes symbiotiques. Donc trop de fruits, entre guillemets, parce qu'il faut nourrir la faune qui va aller disséminer ses graines, puis nourrir le sol, auto-nourrir ses racines de sucre et de matière organique. Les feuilles, c'est pareil, les racines, c'est pareil. Donc en fait, une plante a compensé en fait, la forme statique par une surproduction. Et puis, sa codépendance avec l'ensemble des organismes.
D'où l'intérêt vraiment de comprendre le rôle de chaque organisme et à chaque étape de la plante et vraiment s'enlever de la façon de penser qu'il y a des parasites. Donc les chenilles comme les limaces sont en fait des minéralisateurs de la litière et du topsol. Donc les chenilles vont être en hauteur et puis la pluie de leur crotte va tomber comme ça sur le sol. Et dans la litière directement, vous voyez qu'on retrouve les limaces et les escargots qui vont également avoir une action importante avec le mucus et leurs excréments. Donc elle coupe les matières ligneuses et la cellulose en tout petits morceaux. Elle broie en fait des matières qui sont déjà fanées. Donc elles vont surtout s'occuper de cette matière-là. Elle digère aussi donc tous les cosses en fait, les bourgeons. Elle mange aussi donc les chatons des fleurs, les pétales de fleurs, les lichens, de la mousse aussi éventuellement, et puis donc les jeunes feuilles aussi, ou les feuilles qui sont pré-sénescentes. Et tous donc produisent de la matière. Quand on parle de parasites, en fait, on voit que la partie de notre regard, c'est-à-dire, ah ben, ils mangent quelque chose, et ce quelque chose nous intéresse, donc on a appelé ça des parasites. Mais en fait, tout est matière. Donc forcément, elles intéressent forcément un organisme qui va s'en nourrir, et s'en nourrir, tout ce qui rentre ressort. Donc produit forcément en fait de la matière organique et des excréments qui enrichissent fondamentalement la forêt. Les chenilles ont une action encore plus large que les limaces. Parce que là, vraiment, il pleut littéralement de partout. Ça couvre l'ensemble du sol et ça tombe en fait sur tous les étages. Donc, généralement, ça tombe aussi sur les feuilles. Et comme il pleut beaucoup au printemps, il y a toutes ces petites pluies irrégulières. Et ben, en fait, ça se dilue avec l'eau. Et puis, hop, ça réintègre très rapidement en fait le sol. Donc, c'est vraiment des accélérateurs. De la vie organique au printemps. En débourrant, en fait, tous les cosses autour de leurs bourgeons vont tomber sur le sol avec une forme de résine qui va commencer à nourrir donc les insectes et les micro-organismes. Ensuite, les feuilles vont commencer à produire en fait de la chlorophylle. Il y a les chatons avec les fleurs qui vont ensuite tomber et couvrir tout le sol. Donc le sol va être recouvert de chatons, de cosses de bourgeons, voilà, de toutes ces petites matières-là qui vont commencer en fait à attirer la faune du sol qui se réveille, qui commence à sortir de la litière, notamment les limaces. Donc elles vont commencer à digérer ça. Puis l'humidité ambiante va commencer à faire fructifier les premiers champignons. Il y a les fientes d'oiseaux aussi qui vont descendre sur la litière, puisque les oiseaux aussi commencent à se réveiller. Et donc ils vont aussi fournir une grande quantité de feuilles assez rapidement. Donc juste après les noisetiers, etc., ils vont vraiment créer la première canopée intermédiaire de la forêt, qui vont commencer à se protéger le sol des UV qui deviennent plus importants. Et en attendant, en fait, l'éclosion des bourgeons de chêne. Et à partir du moment où vous voyez, comme là, le chêne, ici, commence à créer son feuillage et donc va créer la nouvelle canopée pour cet été, beaucoup plus haute, bah les chênes vont jouer ce rôle-là. Et donc c'est pour ça que vous avez les chenilles qui vont éclaircir en fait la canopée. Et je pense que les charmes jouent vraiment un rôle primordial dans cette régénération de la matière organique. Ils produisent beaucoup de biomasse en fait à différents stades. Et puis les grands arbres ligneux vont surtout produire de la biomasse pour l'automne qui va perdurer donc tout l'hiver jusqu'à maintenant. Et les charmes sont extrêmement tendres.
Donc voilà où se retrouvent toutes les crottes et les parties de plantes qui sont mangées ou qui fanent. Elles se retrouvent dans la litière, ce qui intéresse énormément de nouveaux organismes, notamment les petits organismes du sol. Et ça, c'est ce qu'on retrouve partout, partout, partout sur la litière. Donc, je vous laisse imaginer comment une multitude de petites chenilles en fait enrichissent le sol. Elles multiplient la biomasse et les micronutriments de manière forte et rapide en quelques jours, au printemps. Comment on peut apprendre de ces informations en forêt avec les chenilles pour s'en inspirer pour les forêts-jardins? Alors déjà, je vous emmène dans la lisière forestière de là où on se trouve. Et en fait, ici, l'arbre que vous voyez, c'est un poirier sauvage centenaire. Voici le poirier sauvage centenaire qu'on vient de voir en forêt. Les merisiers. Et là, vous voyez que le poirier sauvage, c'est un arbre super grand puisqu'on le retrouve en fait au même niveau que le chêne. Donc le chêne, lui, va être encore un peu plus grand. Mais là, vous voyez qu'on est largement au-dessus de 10 mètres. Ce phénomène donc des grignotages des feuilles, des jeunes feuilles par les chenilles, donc on les retrouve beaucoup sur les charmes et notamment aussi sur les merisiers, comme vous pouvez le voir là. Donc ce sont des feuilles qui sont très tendres. Donc en ce moment, on voit une multitude de variétés de chenilles différentes sur toutes les plantes et à toutes les hauteurs. Donc celle-ci, elle est marrante parce qu'elle fait comme une brindille. Et vous voyez qu'elle imite en fait les jeunes rameaux, la finesse des jeunes rameaux. Donc voilà, vraiment chaque espèce accueille des chenilles spécifiques. Et ont donc un rôle principal, notamment nutritionnel, donc minéralisante pour la litière du sol et nutritive pour les autres organismes. Et la deuxième rôle, ça va être vraiment d'éclaircir la forêt au moment où les grands arbres ligneux vont créer une canopée donc aux étages les plus élevés de la forêt. Ce qui permet en fait d'éclairer le sous-bois pour que les plantes et les organismes au niveau de la litière du sol puissent continuer à bénéficier de suffisamment de lumière. Vous verrez qu'en fait c'est très très présent au niveau des chemins et des bordures.
Donc il y a un grignotage encore plus fort sur ces zones-là qui montre vraiment l'enrichissement des bordures et des haies forestières, là où justement se développent les jeunes arbres et là où se développe une multitude d'herbacées et aussi donc d'arbres fruitiers. Donc c'est un indice vraiment intéressant pour nous pour cultiver en forêt-jardin. Donc c'est pour ça que je pensais vous montrer ça aujourd'hui en forêt. Ça me paraissait être un phénomène intéressant. Parce que nous, on va devoir s'adapter aussi quand on voit sur les cerisiers ou même des fois des pommiers. Rencontre aussi ce phénomène-là de nutrition par les insectes phylophages et notamment les chenilles. Et il y a plein de gens qui essayent de lutter contre les fourmis des merisiers, les fourmis et les chenilles des merisiers, alors qu'en fait c'est l'arbre qui se gère pour créer sa matière nutritive et faire circuler la matière organique. En bordure de forêt, on trouve donc des ronces, du nerfrein, du chèvrefeuille, des haies, des noisetiers. Des rosiers grimpants, des charmes, un poirier sauvage, des merisiers, et encore un peu plus haut, des chênes et des charmes. Et le dernier élément très important de ce cycle-là, donc le papillon va pondre ses œufs sous les feuilles qui vont ensuite donc éclore au printemps quand les feuilles sont bien développées pour ensuite donc régénérer la matière organique depuis la canopée en fait pour descendre jusqu'au sous-bois. Et ces chenilles vont ensuite donc créer une chrysalide pour celles qui vont pouvoir évoluer jusqu'au stade de papillons à nouveau et recommencer le cycle et remonter dans la canopée, polliniser les fleurs, etc. Et une grande majorité de ces chenilles vont au printemps par contre servir de nutriments pour les oiseaux. Donc c'est aussi une ressource nutritive extrêmement importante pour les oiseaux qui eux donc vivent essentiellement donc dans la partie haute de la forêt. D'où le fait que les chenilles servent aussi de manière nutritive pour les oiseaux dans la canopée. Donc, ils ont vraiment un double rôle, ils entretiennent, ils enrichissent la canopée comme source nutritive directe pour les oiseaux et en même temps en dégradant donc les feuilles, les jeunes feuilles qui sont particulièrement riches en minéraux, hop, et bien elles vont alimenter la vie en sous-bois et régénérer la matière organique. Donc elles sont super importantes parce que tous les organismes dont on parle habituellement au niveau de la vie du sol et de la matière organique se trouvent déjà dans le sol. Ce qui est intéressant avec les chenilles, c'est vraiment qu'elles font un cycle et qu'elles habitent à différents étages selon leur état de physiologie. C'est-à-dire que soit elles sont à l'état d'œuf, à l'état de chenille, de chrysalide ou de papillon. À chaque fois, elles habitent des endroits différents dans la forêt et ont un cycle de régénération de matière, de nutrition différent. Donc, en fait, les chenilles sont toujours en phase à la fois sur leur cycle physiologique avec la physiologie du développement de la forêt et des arbres notamment. Super intéressant de le voir comme ça. Dans cette forêt, il y a donc des poiriers sauvages, centenaires, des merisiers, des aubépines, des pommiers sauvages. Donc c'est l'endroit idéal pour venir s'inspirer pour les forêts jardins. Ce qui a une pertinence ici,
a toutes les chances d'avoir une pertinence aussi dans un milieu cultivé à partir du moment où donc on s'inspire de l'écosystème et donc de ses rythmes et de ses cycles écosystémiques dans une forêt. Donc comment s'inspirer de la forêt pour l'utiliser en agriculture? Ce sera la deuxième partie de cette vidéo. Donc nous voilà au verger et vous voyez qu'on va observer le même phénomène avec les chenilles. Là vous voyez, c'est la chenille du premier. Sur tous les rejets de pruniers, là, elle commence à grignoter les feuilles. Et vous voyez qu'on retrouve donc un peu plus bas en fait les fameuses crottes de chenilles qu'on a pu voir en forêt. Donc le même phénomène se produit au verger à partir du moment où vous laissez les choses se faire. Donc voilà comment ça participe à réenrichir en fait le sol pour les herbacées et puis aussi donc pour les arbres. Dans un deuxième temps. Donc là, la rhubarbe commence à pousser et du coup, elle se retrouve avec de la matière organique qui va booster tout de suite son organisme.